Bonjour, on va parler de la gamme pentatonique mineure. Alors, comme je te l'ai déjà dit, cette gamme se joue principalement sur la grille de blues, de rock, en mi. Alors là, c'est la pentatonique mineure en mi. Alors pour ça, on va jouer avec un médiator, donc qui se tient entre le pouce et l'index, et on frappe les cordes de haut en bas ou de bas en haut en retour, comme ça. Permet de jouer très vite et très utile pour la guitare électrique. Voilà. Alors, cette gamme pentatonique se compose donc de 5 notes. Pour la pentatonique de mi que l'on voit aujourd'hui, il y a le mi, le sol, le la, le si, le ré que l'on va faire dans cet ordre en haut du manche. Alors, on commence comme ça. La 6e corde, mi à vide. 3e case, sol. 5e corde, la. 2e case, si. Ré à vide. 4e corde. Mi, 2e case. Sol, 3e corde. La, 2e case. Si, 2e corde. Ré, 3e case. Mi, 1ère corde. Sol, 3e case. Voilà ce que ça donne quand on la joue en continu, en gardant les coups de médiator alternativement en bas et en haut. Et en descendant. Voilà. Alors maintenant, cette gamme, on peut la jouer à d'autres endroits sur le manche, en allant en diagonale et en allant vers le bas du manche. Et on fait les mêmes notes, mais à des positions différentes, mais ce sont les mêmes notes. Alors je vais te montrer ça parce que c'est utile à travailler aussi. Alors on commence comme ça. 6e corde, à vide, mi. 3e corde, 5e case, on glisse vers la 7e case. 5e corde, 5e case. 5e corde, 7e case. 4e corde, 5e case. 4e corde, 7e case. On glisse vers la 9e case. 3e corde, 7e case. 3e corde, 9e case. Et 2e corde, 8e case. Alors, en décomposant, voilà ce que ça fait. Et en remontant. C'est exactement les mêmes notes qu'on a jouées en haut, mais à des endroits différents. Et mémoriser ces deux positions, ça permet d'être plus à l'aise pour improviser sur la gamme de mi en blues, par exemple. Et on peut transposer dans d'autres tonalités, do, fa, sol, mais ça reste pareil, quoi, sauf que c'est pas au même endroit sur le manche. Voilà. Merci beaucoup et bon travail. Ça va?